Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi lui qui va naître sera saint. Et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. Allez.